وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، nous allons aborder aujourd'hui, inshallah, le chapitre de Sunan al-Fitra, les actes qui font partie de la saine nature. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith sahih rapporté par al-Bukhari et Muslim, la saine nature est cinq choses: la circoncision, s'épiler les poils du pubis, tailler sa moustache, couper ses ongles et nettoyer les poils qui sont sous les aisselles. Dans un autre hadith, Aïcha radiallahu anha rapporte: 10 choses font partie de la fitra. Tailler la moustache, laisser la barbe, le siwak, le fait d'aspirer l'eau avec son nez et de la rejeter, couper ses ongles, laver les parties qui sont libres entre les doigts, enlever les poils des aisselles, tailler les poils du pubis et se nettoyer avec de l'eau quand on fait ses besoins, comme on en a parlé la dernière fois. Donc, que veut dire la fitra? C'est des traditions anciennes, c'est naturel chez les hommes. Et tous les prophètes pratiquaient ces œuvres-là. Et dans ce hadith, ces 10 choses qui sont citées, elles font partie de la fitra. Mais la fitra, il y a beaucoup d'actes qui font partie de la fitra. On va commencer par le premier qui n'est pas cité dans les deux hadiths, al-siwak. C'est le fait d'utiliser le bâton de l'arak, ou bien ce qui lui ressemble, pour nettoyer ses dents et ses gencives et sa langue. Il a été rapporté de Ali radiallahu anhu que les personnes qui ne trouvent rien, ni bâton, ni même, avant ils faisaient même ça, s'ils ne trouvaient rien avec un morceau de cuir, ils se nettoyaient les dents, alors il est permis de se nettoyer même avec les doigts. C'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih: si je n'avais pas peur de rendre la tâche difficile à ma communauté, je leur aurais ordonné de faire le siwak à chaque ablution. Comme il a été rapporté dans les mérites du siwak, c'est une purification pour la bouche et une satisfaction du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un acte avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait. On voit comment cette religion, elle a donné l'importance à l'hygiène. Comment le prophète alayhi salatu wassalam, il y a déjà plus de 1400 ans, il avait fait que l'hygiène, c'est une partie intégrante de cette religion. Se brosser les dents plus de 5 fois par jour. Aujourd'hui, les gens qui se prétendent civilisés, ils viennent critiquer l'islam en disant que c'est une religion d'arriérés. Alors que le prophète, alayhi salam, il nous a enseigné des choses que les gens n'ont pas connues pendant des siècles. Et jusqu'à maintenant, ce qu'ils ont découvert, ce n'est rien par rapport à ce que le prophète, alayhi salam, nous a enseigné. Le siwak, mes frères, c'est demander de le faire le maximum possible, à tout moment de la journée ou de la nuit. Mais il y a 5 moments où c'est encore plus favorable d'utiliser le siwak. Avant la prière, pendant les ablutions, avant la lecture du Coran, quand on se réveille du sommeil et quand l'odeur de la bouche change en général. Donc après avoir mangé quelque chose qui change l'odeur de la bouche, ou après avoir mangé ou bu quelque chose qui laisse une odeur qui s'accroche aux dents, donc on nettoie. Ou bien après un long silence, quand on ne parle pas pendant longtemps, ça change l'odeur de la bouche. Quelqu'un qui parle tout le temps aussi, ça change l'odeur de la bouche. Vous pouvez rajouter un sixième moment. Quand on rentre à la maison, il a été demandé à Aïcha radiallahu anha par quelle chose commençait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il rentrait à la maison. Aïcha radiallahu anha a dit: il commençait par le siwak. Donc voilà les moments préférables pour l'utilisation du siwak. Et il fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam de laver le siwak après son utilisation. Car il a été rapporté dans le hadith avec une bonne chaîne de transmission que Aïcha radiallahu anha a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait le siwak et il me le donnait pour que je le lave. Avant de le laver, je l'utilisais, puis après j'allais le laver. Donc il l'utilisait, il cherchait la bénédiction derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas permis de chercher la bénédiction après une personne. Le fait de chercher la bénédiction, ce n'est que dans les effets du prophète sallallahu alayhi wa sallam personnel. Ça a été spécifique à lui. Allah subhanahu wa ta'ala a béni tes actes, a béni aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement aux êtres humains, ils ont été agréés par les actes qu'ils ont faits. Mais leurs effets personnels ne sont pas bénis. Donc c'est une innovation de chercher la bénédiction derrière les effets personnels des savants ou des gens pieux.
ça peut mener même jusqu'au shirk. Aussi, c'est une sunna pour une personne qui sent qu'il est sur le lit de mort de faire le siwak. Le prophète, alayhi salam, quand il était sur son lit de mort, il était très malade, il avait un bandeau qui attachait sa tête. Il a vu au loin un compagnon entrer pour le visiter. Et il a vu à sa bouche un siwak. Le prophète, alayhi salam, l'a regardé et a fixé son regard sur le siwak. Aïcha radhiyallahu anha a compris qu'il le voulait. Alors elle lui a pris, elle l'a pris de l'autre côté, elle l'a nettoyé, elle l'a adouci, elle l'a ramolli, et elle l'a donné au prophète alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le siwak et elle l'a utilisé même sur sa langue. Ça fait partie de la sunna de se brosser la langue. Mais aujourd'hui, justement, il trouve que la plupart des mauvaises odeurs qui sortent de la bouche sont ce qui reste, les microbes qui restent sur la langue. Et le prophète alayhi salam avait l'habitude, donc ça fait partie de la sunna, de brosser avec le siwak ses dents, ses gencives et sa langue. Et même il allait tellement loin, il a été rapporté dans le hadith, sahih, qu'une fois il a été vu faire du siwak, tellement il a poussé le siwak loin, que ça l'a fait faire un cri comme quand quelqu'un il crache, ah, ah, comme ça, et c'est rapporté dans le hadith. Donc, le siwak, comme on a dit, c'est le fait de se brosser. Ce n'est pas spécifique seulement au bâton de l'arak. Celui qui se brosse par exemple avec la brosse à dents dans l'intention de faire la sunna, aussi il a la récompense. Mais il est préférable d'utiliser le bâton de l'arak. Tous les hadiths qui sont rapportés sur la manière de faire le siwak, ce ne sont pas des hadiths sahih. Certains hadiths qui auraient dit qu'il ne faut pas le faire de haut en bas, car c'est shaitan, ou de bas en haut, non. Bien sûr, en général, dans la sunna, c'est commencer par la droite et par le haut. Mais après, on peut faire de cette manière-là, ou dent à dent, ou gauche, droite à gauche, puis de en haut, puis droite à gauche, en bas. Donc il n'y a pas de mal en tout cela, Inch'Allah. De même, sur la taille du siwak, ou combien de fois le changer, quand le changer, ça c'est selon la nécessité. Il n'y a rien qui est rapporté sur ce sujet-là. Est-ce que le jeûneur peut utiliser le siwak? Oui, c'est même sunna d'utiliser le siwak, même pendant le jeûne. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les hadiths qu'on a vus auparavant, a dit que si je ne voulais pas rendre la chose lourde à ma communauté, je leur aurais ordonné de faire le siwak pour chaque ablution ou avant chaque prière. Et il n'a pas dit sauf pour les jeûneurs. C'est clair que quand il dit ça, et surtout sahaba, radhiyallahu anhum, et le prophète, alayhi sallam, ils passaient la majorité de leur temps à jeûner. Il leur est spécifié, alayhi sallam. Et il n'y a aucun hadith sahih qui réprouve le fait de faire le siwak pendant le jeûne. De même, il a été rapporté de Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma qu'il faisait le siwak pendant le jeûne sans aucun problème. Cette parole d'Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma a été rapportée. Certains l'ont attribuée au prophète alayhi salam, mais sahih c'est que ça vient de Abdullah ibn Omar. Aussi, dans le hadith al-Qudsi, l'odeur de la bouche du jeûneur est meilleure chez Allah que l'odeur du musc. Donc certains savants se sont basés sur ce hadith pour dire que c'est détestable d'utiliser le siwak après bon. Mais en réalité, ce hadith ne parle pas du siwak. Quand il parle de l'odeur, c'est pour donner le mérite du jeûne. Et le mérite du fait que ton estomac soit vide. Quand ton estomac est vide, l'odeur qui sort de l'estomac, ça laisse, comme vous savez, l'odeur qui sort de la bouche du jeûneur. Une odeur spécifique. Donc ils disent que tu utilises le siwak ou non, de toute façon cette odeur elle sort de l'estomac. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de faire le siwak ou non. Voilà ce qu'on peut dire sur le siwak. Une autre sunna parmi les sunnas du fitra, la circoncision. Premièrement, c'est de couper chez l'homme le morceau de peau qui entoure le gland de son sexe. Et chez la femme, la partie supérieure de son membre qui a un nom précis qu'on ne va pas citer. C'est quoi le hukm? Shafi'iyya, ils disent que c'est obligatoire pour les hommes et pour les femmes. Chez l'imam Malik et une partie des savants, c'est recommandé chez les hommes et chez les femmes. Et le Halabila et d'autres savants aussi, ils disent que c'est obligatoire pour les hommes et recommandé pour les femmes. Donc la première chose que l'on peut en tirer, c'est que la circoncision des femmes existe en islam. Mais en quoi consiste la circoncision chez les femmes? Est-ce que c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, l'excision? Du tout. L'excision, c'est le fait de couper le membre en entier. Ça fait que la femme, elle n'a plus du tout de plaisir quand elle fait l'acte avec son mari. Ça c'est une injustice et c'est haram. Et d'ailleurs le prophète a.s. a dit à une khatina, une femme qui était connue pour faire la circoncision des femmes, quand tu fais la circoncision, prends le bout et ne coupe pas en entier. Donc, ce qui est fait aujourd'hui, effectivement c'est de l'injustice. Ça n'existe pas en islam. Car aujourd'hui c'est pas fait pour l'objectif pour lequel ça a été établi. Et deuxièmement, c'est très mal fait. C'est pas fait comme l'islam leur a enseigné. Donc l'objectif n'est pas le même que l'islam a voulu, et la manière de faire n'est pas la manière que l'islam a voulu. Mais, du fait que les gens ne le font pas d'une bonne manière,
Ça ne veut pas dire qu'on doit le renier, car cet acte existe en islam et il est même demandé. Qu'est-ce que c'est la circoncision pour la femme? C'est comme les ulama disent, un morceau de son membre qui dépasse, qui peut la gêner, qui va faire que cette femme-là, elle va avoir trop de chahwa. Alors si il n'est pas coupé, cette femme-là, elle va être poussée à faire le haram. Elle ne sera jamais satisfaite. Cette chose est valable surtout dans les pays chauds. Car en général, dans les pays chauds, c'est connu, ce problème est plus développé que dans les pays froids. C'est pour ça que certains savants contemporains disent que cette circoncision est faite en cas de besoin. Si ça peut être une cause de gêner la femme, alors ça doit être fait. Sinon, ça n'a pas besoin d'être fait. Le tuteur du garçon ou de la fille doit leur faire avant la puberté. Le mieux, c'est de leur faire assez jeune pour qu'ils ne sentent pas trop de douleur. Mais après, si ça n'a pas été fait, ça peut être fait à tout âge. Ibrahim alayhi salam est circoncis à 80 ans. Donc c'est la responsabilité du wali. On va parler de certains hadiths. Premièrement, en ce qui concerne les hommes, ce qui a l'air le plus clair et le plus juste, c'est que c'est obligatoire, pour plusieurs raisons. Premièrement, car ça fait partie de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ibrahim al-Khalil s'est circoncis après ses 80 ans. Et ce hadith, il est sahih, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran Karim, dans le sens des versets, puis on t'a révélé, suis la voie et la religion de Ibrahim, celui qui tend vers le bon chemin, le Hanif. Donc c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a demandé de suivre Millat Ibrahim. Et là on voit que ça fait partie de Millat Ibrahim alayhi salam. Mais il y a un hadith qui est plus clair que ça pour renforcer cela. C'est ce qui a été rapporté du prophète alayhi salatu wa salam, qui est un hadith Hassan rapporté par l'imam Abu Daoud ou Al-Bayhaqi dans Sunan. Une personne est entrée en islam, l'adulte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné, enlève de toi les cheveux de la mécréance et circoncis-toi. Il faut savoir que si ce n'était pas obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui aurait pas demandé de circoncire alors qu'il est âgé, alors que ça va être une douleur pour lui. Il n'y avait pas d'anesthésie ni rien. Donc dès qu'il s'est converti, il lui a demandé de se circoncire. Ça prouve que c'est une obligation. Aussi, la preuve que c'est obligatoire, c'est qu'on ne va pas demander de subir une douleur ou une difficulté s'il n'y a pas une obligation derrière. Donc tout ça, ça prouve que c'est obligatoire pour les hommes. En ce qui concerne la femme, il y a ikhtilaf sur les hadiths. Donc, on ne peut pas clairement établir que c'est une obligation. Mais le fait que ça existait au temps du prophète alayhi salam et le fait que les femmes le faisaient, et il y a des hadiths comme je vous ai dit tout à l'heure, et que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un conseil de la manière de le faire. Donc ça prouve que ça reste recommandé de le faire. D'ailleurs en cela, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit donc al-khitan sunnatun lir-rijal makramatun lin-nisa. En fait ce hadith, les muhaddithin ont divergé sur sa véracité. Il peut être acceptable ce hadith comme il a été dit par certains muhaddithin. Et ça veut dire que le khitan sunnatun lir-rijal makramatun lin-nisa. Il faut savoir que dans la langue arabe, sunna, ça ne veut pas dire la sunna comme on le comprend aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une chose établie pour les hommes. Ou makramatun linisa, c'est-à-dire c'est une bonne chose pour les femmes. Donc ça prouve ce hadith, en fait, que ça reste obligatoire pour les hommes et mustahab pour les femmes. D'ailleurs, le hadith que je vous ai cité tout à l'heure, il y a divergence sur ce hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la femme qui faisait le khatina, si tu fais la circoncision pour les femmes, coupe une partie mais ne le coupe pas en entier car ça donne plus de clarté et de beauté au visage et meilleur pour le mari. Voilà ce qu'on peut dire donc du khitan. On va parler d'une autre sunna de Sunan al-Fitra qui est l'istihdad. C'est le fait d'utiliser le moussa, le rasoir, la lame pour raser les poils rigides qui se trouvent autour du pubis. C'est l'endroit entre les jambes. Donc ça fait partie de la sunna d'enlever ces poils là. Et de même, il fait partie de la sunna d'enlever les poils qui se trouvent derrière. Les mauvaises odeurs et la saleté s'accumulent. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette sunna là. Alors que ça, depuis le prophète alayhi salam jusqu'à dans toutes les époques, c'était connu chez les musulmans, cette pureté, cette propreté. Aujourd'hui tellement c'est devenu quelque chose de délaissé et les gens ils sont devenus comme les occidentaux, c'est devenu rarib. Alors que c'est tout à fait logique. Déjà c'est une protection contre l'impureté, mais ça a un effet sur ta foi, sur ta salat surtout. Toutes ces sunnas, couper les ongles, tailler les moustaches, enlever les poils sous les aisselles, les istihdad, vous allez voir, car Shaitan, on sait tous qu'il aime la saleté. Et que quand on est sale, quand on est impur, quand on n'est pas propre, quand on ne suit pas la sunna, il a plus d'emprise sur nous. Autre chose aussi, c'est les poils qui sont sous les aisselles. La sunna, normalement, c'est de les arracher, pour celui qui en a le courage.
Car en les arrachant à force, ça affaiblit la base et peu à peu ils poussent de plus en plus fin jusqu'à qu'ils ne poussent plus du tout. Mais celui qui les rase ou qui les enlève ou qui les taille, aussi alhamdoulilah il pratique la sunna. Mais la manière qui était pratiquée au temps du prophète alayhi salam, il les arrachait. Toutes ces sunnas dont je parle, c'est valable pour les hommes et les femmes. Autre chose aussi, couper ses ongles, des pieds et des mains. Est-ce qu'il y a une sunna dans la manière de couper ses ongles? Certaines choses rapporteraient qu'il faut commencer par ce doigt-là, puis comme ça et finir. Mais il n'y a rien de sahih qui parle de ça. En vérité, la sunna c'est de commencer par la droite et de finir par la gauche. Jusqu'à qu'on finisse par le petit doigt de la main gauche, puis on passe au pied droit, le petit doigt du pied droit, on finit les pieds jusqu'à au petit doigt du pied gauche. Maintenant, ce qui concerne le temps, Anas radiallahu anhu rapporte, wa al-hadith rawahu Ahmad wa Abu Daoud, wa huwa sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a délimité pour tailler la moustache, couper les ongles, enlever les poils des aisselles et raser les poils du pubis, que ça ne dépasse pas 40 minutes. D'ailleurs, certains ulama donnent un conseil pour ne pas oublier. Par exemple, tous les premiers Jumu'a du mois. Comme ça, ça donne une organisation pour ne pas oublier. En ce qui concerne couper les ongles et tailler la moustache, l'imam Ahmed disait que c'est préférable de le faire chaque vendredi avant le Jumu'a. Et ça a été rapporté de Abdullah ibn Omar aussi, qu'il faisait cela. Mais il n'y a pas de hadith qui parle de ça. La sunna, le minimum, au moins une fois avant 40 minutes. Mais comme le Jumu'a, c'est le jour où on s'embellit, on fait le roussel, on se prépare pour aller à la mosquée. En général, c'est ce jour où on profite pour en couper ses ongles et tailler sa moustache. Mais il n'y a pas de mal de le faire un autre jour, c'est pas contraire à la sunna. Ikram al-shahr, le fait de bien s'occuper de ses cheveux, pas les laisser dans tous les sens, le fait de les peigner, etc. Le prophète Ali Hassan a dit dans un hadith Hassan al-Sahih rapporté par l'imam Abu Daoud, celui qui a des cheveux, qu'il s'en occupe bien. Il y a une chose qui est interdite, c'est le qaza. C'est le fait de couper une partie des cheveux et d'en laisser une autre partie. C'est interdit en islam. Que ce soit devant et derrière, que ce soit la coupe au bol, que ce soit toutes ces choses-là. C'est interdit en islam de couper une partie et d'en laisser une autre. Ou on coupe tout, ou tu laisses tout, ou tu fais tout homogène. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou vous rasez tout, ou vous laissez tout. Aussi, bien sûr, la sunna c'est de commencer par la droite. Même quand on rase ses cheveux, le prophète alayhi salam, quand il a fait le hajj, il a demandé à son halaq, commence par la droite et dit bismillah. Il a dit bismillah, il a commencé par la droite. Donc c'est sunnah. Pour toutes les bonnes choses, toujours commencer par la droite. Donc se peigner, commencer par la droite. Aussi, ça fait partie de la sunnah, ça va vous étonner ce que je dis, mais c'est un hadith sahih rapporté par l'imam al-Nasa'i. An Abi Hurairata radiallahu anhu qal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit aux hommes, pas aux femmes, de se coiffer tous les jours. Pourquoi? Le vrai pourquoi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et pourquoi? Pour que les hommes ne ressemblent pas aux femmes. L'homme, il n'est pas comme la femme à toujours faire trop attention à son physique. Toujours se coiffer, toujours du gel, toujours je ne sais quoi. Et le fait qu'un homme fasse trop attention à son physique, ça développe en lui des caractéristiques tout à fait féminines. Et aujourd'hui, vous voyez, les hommes qui font trop attention à eux, regardez maintenant comment ils sont devenus, comme des femmes. Et c'est pas fait pour rien quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les hommes qui ressemblent aux femmes, qui mettent les vêtements des femmes, et les femmes qui mettent les vêtements des hommes. Car les hommes aujourd'hui qui s'habillent comme des femmes, à la fin, ils deviennent des femmes. Car la manière de se comporter, de se coiffer, la manière de s'habiller, la manière de faire quoi que ce soit, ça a une influence sur ton caractère et sur ta personne. Si tu t'habilles comme un homosexuel, ça va avoir une influence sur toi. Tu mets des boucles d'oreilles, tu mets les cheveux blonds, tu mets les trucs tout serrés, faut pas s'étonner si un jour tu deviens bizarre. En vérité, on devrait pleurer quand on voit les enfants des musulmans s'habiller comme ça. Comment leurs parents ils les laissent s'habiller de cette manière-là? Comment ils les laissent sortir de la maison de cette manière-là? Comment ils les laissent rentrer avec des cheveux décolorés de cette manière-là? Ou de cette manière de s'habiller, on voit ses fesses dans la rue. Mais ça, c'est justement, pour de trop se mélanger au kuffar, de ne pas faire attention, de ne pas venir à la mosquée, de ne pas enseigner l'islam, de ne pas faire attention à l'éducation de nos enfants, voilà ce que ça donne comme résultat à la fin. Il y a des enfants d'arabes, ils sont devenus comme les autres. Pas croire qu'on est préservé juste parce qu'on est arabe, on est musulman. Si on ne fait pas bien attention à l'éducation de nos enfants, ça peut très mal finir. Aussi le fait de laisser les cheveux longs. Il faut savoir que le prophète alayhi salam avait les cheveux longs. Mais est-ce que c'est une sunna? Les savants disent que ça c'est un acte que le prophète alayhi salam a fait. Dans son peuple, ce n'était pas gharib de faire ça. Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, lui il voit que par exemple en Arabie Saoudite, les gens ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Il ne faut pas se différencier d'eux, tu laisses les cheveux longs. Il dit la sunna c'est de faire dans ce genre de choses, comme par exemple les cheveux ou comme ça, de ne pas se différencier des autres, tu fais comme ton peuple.
Il dit surtout les gens qui laissent les cheveux longs, mouillés, pas beaucoup de barbe qui pousse, après ils ressemblent à une femme, donc c'est pas une bonne chose. Mais si des gens ils le font, savoir que le prophète alayhi salam avait les cheveux longs, il avait même une des petites tresses dans ses cheveux. Parmi les sunnas aussi, il est interdit aux musulmans d'enlever ses poils blancs, c'est haram. Mais la sunna c'est de l'éteindre, sauf en noir. S'il veut l'éteindre, il éteint en henna. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui est apporté par l'imam Ahmed dans un hadith sahih, a dit « L'enlevez pas vos cheveux blancs, car c'est la lumière du musulman. Il n'y a pas un musulman dont ses cheveux deviennent blancs en islam sans que ce soit pour lui une hasana et que ça l'élève d'un degré et que ça lui enlève un péché. » Le fait de changer aussi la couleur de ses cheveux quand ils deviennent blancs, c'est sunna. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Les juifs et les chrétiens ne teignent pas leurs cheveux. Différenciez-vous d'eux et teignez vos cheveux. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à teindre ses cheveux. Quand on a la barbe et les cheveux qui deviennent blancs, c'est sunna de les teindre. Avec le henna, en roux, en rouge, châtain, en blond, pas blond platine. C'est recommandé. Tu veux laisser, il n'y a pas de mal. Aussi, le fait de se parfumer, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Sauf, il ne faut pas trop abuser, mettre trop de parfum pour attirer le regard des gens. Mais sentir bon, avoir un bon parfum, c'est la sunna du prophète alayhi salam. Par contre, il est interdit à la femme de se parfumer quand elle sort de chez elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, si une femme se parfume et sort pour que les gens sentent son odeur, elle est fornicatrice. Donc, elle a le droit de se parfumer chez elle. Bon, le déodorant, il n'y a pas de problème. Mais le parfum, de toute façon, on connaît tout ça. Passer dans la rue, une femme, elle passe avec son odeur. Pour finir avec le sujet de l'ihya ou al-sharik. Première des choses. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans le sens des versets, ce que le prophète vous donne, prenez-le. Ce qui vous interdit, interdisez-le vous à vous-même. Première règle, il y a des gens qui vont dire oui, mais la barbe c'est pas dans le Coran. Faïb, moi je leur dirais, est-ce que le fait de faire 4 rak'at dans la prière de Dhuhr c'est dans le Coran? Non. Ça c'est le prophète alayhi salam qui nous l'a rapporté. Si quelqu'un fait une prière sans la Fatiha, est-ce que sa prière est valable? Non. C'est pas dans le Coran. Ça c'est dans les hadiths qu'on a trouvé ça. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le Coran mais qui sont des obligations en islam. Et le prophète alayhi salam a dit, on m'a donné le Coran et une autre chose. Pareil avec. C'est quoi la sunna du prophète? La sunna elle est venue pour détailler ce qu'il y a en général dans le Coran. Ou bien déterminer certaines choses que le Coran ne pas déterminer car elles ne sont pas dans le détail. Le Coran c'est les règles générales, les grands traits. Et la sunna elle vient rentrer dans les détails. C'est pour ça qu'on trouve que le Coran c'est 6000 et quelques versets. Et la sunna c'est des millions de hadiths. Parce qu'ils rentrent plus dans les détails. Une fois qu'on a compris qu'il y a beaucoup de règles en islam qui sont établies par la sunna et que toute la umma, le consensus, tous les savants de la umma sont d'accord pour dire que ces règles sont obligatoires. Ce que le prophète vous donne, prenez-le. Ce qui vous interdit, interdisez-le vous à vous-même. Celui qui a obéi au messager, il a en fait obéi à Allah. Donc tous ces versets-là, ils sont clairs dans le Coran al-Karim. Le commun des gens et ceux qui n'ont pas de ilm dans la religion croient qu'on reconnaît les obligations parce que c'est dans le Coran et qu'on reconnaît les choses recommandées parce que c'est dans la sunna. Il n'y a aucun savant en islam qui dit ça. Ceux qui disent ça, ils sont dans une erreur évidente. Et ils sont dans un égarement lointain. Allah tabaraka ta'ala parle de ceux qui font la différence entre Allah et ses messagers. Et qui disent, on croit à Allah mais on ne suit pas ses messagers. Et on prend le livre, on ne prend pas la sunna. Ce qui vient du Coran ou ce qui vient de la sunna, ça vient d'Allah. Allah tabaraka ta'ala dit, dans le sens des versets, il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur cette question, il n'y a même pas de doute à avoir. Mais l'ignorance, ça pousse les gens à avoir cette compréhension. Le problème, il vient de la compréhension de sunnah. Qu'est-ce que ça veut dire sunnah? Ah, c'est sunnah. Sunnah, c'est-à-dire c'est pas obligatoire. Sunnah, en arabe, ça veut dire le chemin. Sunnah, certains fuqaha l'utilisent pour dire que c'est mustahab. Sunnat al-Nabi, c'est-à-dire le chemin du prophète. Est-ce que suivre le prophète, c'est pas obligatoire pour toi, en tant que musulman? Donc, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah. Maintenant, il y a des actes en islam qui sont obligatoires, d'autres qui sont recommandés. Ça veut dire quoi? Celui qui le fait, il a une récompense. Celui qui ne le fait pas, il n'a pas de péché. Et ces actes recommandés, ce n'est pas obligatoirement ce que tu trouves dans la sunna du prophète. Ça peut être même des choses dans le Coran. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le sens des versets, si vous avez une dette, écrivez-la. C'est dans le Coran, mais c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Tout ce qui vient de la sunna, il y a des choses qui sont obligatoires, il y a des choses qui sont recommandées, il y a des choses qui sont préférables, il y a des choses qui sont haram, il y a des choses qui sont makruha, comme dans le Coran. Et ça s'étudie dans la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait,
dans la manière dont il l'a dit. Donc comment ça a été pratiqué, c'est avec ça qu'on sait est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est juste recommandé ou est-ce que. C'est pas juste est-ce que ça vient de la Sunna ou est-ce que ça vient du Coran. Il y a justement un courant de pensée aujourd'hui contemporain qui veulent essayer d'imposer cette façon de voir aux gens. Qui veulent juste dire non, la Sunna c'est le prophète. Il y a même un pays carrément il a imposé ce madhhab. Les ulama ont dit que cette parole et ce qu'il a écrit dans son livre, le monsieur qui a fait ça là, c'est du kufr. Il fait sa compréhension du Coran comme il veut, lui, sans la Sunna. C'est moi qui comprends le Coran, je l'explique comme je veux, je l'interprète comme je veux. Et il y a une secte aujourd'hui qui s'appelle le Qur'aniyoun. La Sunna, ça n'existe pas. Quand tu leur dis, Allah il dit dans le Coran, obéissez au prophète, c'est comme s'ils étaient aveugles, comme s'ils étaient sourds, ils ne comprennent pas ce qu'il y a dans le Coran. Maintenant, on parle de ce sujet-là. Donc là, il y a plus de 10 hadiths où le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, différenciez-vous des mouchriquins, laissez la barbe et taillez-vous vos moustaches. Donc il y a plusieurs lafs qui sont utilisés. Wafiru, arfu, aufu, irfu, urhu, tout ça dans le même sens. Laisse ta barbe et taille ta moustache. Différencie-toi des juifs et des chrétiens, le prophète a dit. Et changez la couleur de vos barbes quand elle devient blanche. Différenciez-vous des juifs et des chrétiens. Donc toutes ces paroles, c'est dans le même sens. Et là, l'ordre, il est l'ilwujub, l'obligation. L'imam Shafi'i, ou l'imam Ahmed, et l'imam Malik, et l'imam Abu Hanifa, eux quatre, dans leur livre, on trouve ça, et je vous donnerai les détails pour ceux qui veulent, sont unanimes, eux quatre, pour dire c'est une obligation religieuse de laisser la barbe. Et c'est interdit de la raser. Il y a certains seulement des élèves de l'imam Shafi'i qui ont dit que c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Je vais rentrer dans le détail parce que la question elle est là-dessus. Eux, ils disent, ça fait partie de Sunan al-Fitra. Il a dit Sunan, donc c'est une Sunna préférable. Il dit parce que dans Sunan al-Fitra, tout ce qui est énoncé, ce n'est pas des choses obligatoires. Les savants leur ont répondu par plusieurs manières. Premièrement, Sunan al-Fitra, ça veut dire tariqa, ça ne veut pas dire que c'est recommandé. Là, c'est dans le sens, le chemin à suivre. Deuxièmement, il y a des choses qui sont citées aussi dans les Sunan al-Fitra qui sont obligatoires. Comme le khitan, le fait de ne pas dépasser 40 jours dans le fait de tailler sa moustache, couper ses ongles, enlever ses poils et raser. Donc tout ça, ça prouve qu'il y a des obligations aussi qui sont dans ce hadith. Donc ça ne prouve pas que c'est pas une obligation. La seule chose sur laquelle ils se basent pour dire que c'est pas une obligation. Et ceux qui se basent pour dire que c'est une obligation, c'est premièrement tous les hadiths à l'impératif. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement laisse. T'as pas dit si tu veux, c'est bien de laisser. Il a dit laisse à l'impératif. Et en arabe, tu reconnais quand il le dit à l'impératif que c'est une obligation. Et il a donné la raison, différenciez-vous des mouchriquins et des chrétiens et des juifs. Maintenant, on va énoncer certaines paroles des savants pour que ce soit plus clair, inchallah. Premièrement, le fait de se raser la barbe, c'est une habitude occidentale qui est rentrée avec la colonisation. Avant la colonisation, à la fin de l'Empire Ottoman aussi, cette habitude commençait à venir. Pourquoi ? Parce que les Ottomans, vers la fin, pourquoi ils ont chuté ? Parce qu'ils essayaient de plus en plus de ressembler aux Occidentaux, dans leur manière de vivre, etc. Et ça a été le début de leur chute. Mais avant ça, c'était pas connu. Ibn Hazm, al-Andalusi, rahimahullah, a rapporté le consensus de tous les savants qu'il était interdit de raser sa barbe. Les quatre imams, c'est clair. Maintenant, dans chaque madhhab. Dans le Furu', c'est un livre des Hanabila. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit, le fait de raser sa barbe, c'est comme si une femme se rasait complètement les cheveux, ou encore pire, car elle a dit, c'est une déformation de ton visage. Al-Hattab, dans Sharh al-Khalil, qui est un livre madhhab maliki, a dit, raser sa barbe, c'est interdit. Il a dit, c'est une mutilation et une innovation, et celui qui le fait, on le tape pour qu'il reste tranquille. Dans un pays musulman, quand quelqu'un se rasait, le émir, il envoyait quelqu'un pour le... Il lui donnait quelques coups, il reste tranquille. Maintenant, ça c'est Ibn Abidin al-Hanafi, rahimahullah, d'Arab al-Muhtar, madhab Hanafi, il a dit, le fait de la raser ou d'en prendre une grande partie, c'est comme faisaient les Majous. Et Ibn Abdelbar, un imam maliki, rahimahullah, qui a dit, c'est interdit de raser sa barbe et ne le font que ceux parmi les hommes qui ressemblent aux femmes. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, toutes les preuves du Coran et de la Sunna prouvent que c'est interdit de ressembler aux kuffars, et il a rapporté en cela des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne fais pas partie des nôtres celui qui ressemble à autre que nous, ne ressemblez pas aux juifs ou aux chrétiens. Dans un autre hadith, celui qui ressemble à un peuple, il fait partie d'eux, rapporté par l'imam Ahmed. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a refusé le témoignage de quelqu'un juste parce qu'il arrachait quelques poils de sa barbe. Il a dit, je refuse ton témoignage, t'es un fasiq. Pour finir, il y a beaucoup de khair dans le fait de laisser sa barbe. Premièrement, c'est le fait de se différencier des mouchriquins. Deuxièmement,
c'est le fait de ne pas ressembler aux femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, a maudit les hommes qui ressemblent aux femmes et aux femmes qui ressemblent aux hommes. Troisièmement, c'est le fait de ressembler à tous les prophètes. Car comme il est dit dans le Coran, où Haroun a dit à Moussa, « Oh mon frère, ne me prends pas ni par ma barbe ni par ma tête. » Donc, même Haroun alayhi salam avait la barbe, hein, et tous les prophètes alayhi salam avaient la barbe, selon le fitra, c'est-à-dire que tous les prophètes avaient la barbe, alayhi salam. Et aussi, le fait de ressembler à quelqu'un extérieurement, ça t'aide à lui ressembler intérieurement. Les gens qui aiment des stars, des footballeurs, des chanteurs, ils essayent de leur ressembler comme deux gouttes d'eau. S'habiller comme eux, marcher comme eux, faire la même coupe. Est-ce que tu fais bien partie des gens qui ont pris comme modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toi-même, plus que tes enfants, plus que ta famille? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous ne serez pas de véritables croyants tant que vous ne m'aimez pas plus que vos enfants, plus que vos parents et le monde entier. Si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors tu veux lui ressembler. Et aussi, comme on a dit, le fait d'enlever sa barbe, c'est compté comme une mutilation. En islam, avant, si quelqu'un t'enlève ta barbe, tu vas porter plainte et il te donne une dîya, une rançon, comme s'il t'avait fait perdre une main ou un bras. Et le savant qui disait cette parole-là, il disait, à l'époque, pour qu'on t'enlève la barbe, la personne elle devait te donner une rançon. Il a dit, aujourd'hui, toi, tu te l'as enlevé toi-même sans rançon. C'est toi, voilà, qui paye pour que... Hein? Maintenant, c'est clair, le fait, laisser la barbe, c'est obligatoire. Et tailler la moustache, au moins une fois tous les 40 jours. Maintenant, le fait de prendre une partie de sa barbe ou la tailler, est-ce que c'est permis? Il faut savoir, comme il a été rapporté dans le hadith de Ibn Omar et d'autres sahaba, certains sahaba, quand ils allaient au hajj, ils prenaient leur barbe comme ça et ils taillaient ce qui dépassait. Donc les savants ont divergé. Certains ont dit, c'est interdit de la toucher tout court. Ni ça, ni rien. Juste, tu dois bien la coiffer, bien l'entretenir, t'as pas le droit de la toucher. D'autres ont dit, t'as le droit qui dépasse la main. Pas avant. Et une minorité, elle a dit, tant que ta peau, ton menton sont bien cachés par ta barbe, tu peux tailler ce qui dépasse. Voilà les trois avis en ce qui concerne la barbe. Sur quoi ils se sont basés pour dire ceux qui disent qu'on a le droit? Sur le fait qu'Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma et d'autres parmi les compagnons, quand ils allaient au hajj, à la fin quand ils faisaient le halq, en même temps ils taillaient ce qui dépassait de la main. Voilà, ils se basent sur ça. Et les savants qui interdisent cela, ils répondent à cela. Premièrement, un compagnon, s'il fait un acte qui est contraire à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, qu'on prend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on laisse ce que le compagnon a fait. Deuxièmement, Abdullah ibn Omar, il faisait ça, lui il considérait la ayah où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en parlant des gens qui font le hajj, rasez vos cheveux et taillez. Le vrai tafsir, c'est que ou tu rases ou tu tailles, sauf que quand tu rases, tu as plus de récompense. Mais certains parmi les sahaba, comme ibn Omar, ont compris, tu rases et tu tailles. Donc tu rases ta tête et tu tailles ta barbe. Mais sahih, c'est qu'il a fait un ta'wil de cette ayah. Et il n'a jamais été rapporté des compagnons qu'en dehors du hajj, ils se taillaient la barbe. Donc ceux qui disent que c'est permis, ils se basent sur ça alors que sahaba, ils faisaient qu'au hajj. Et deuxièmement, ils le faisaient en croyant que ce verset veut dire qu'il faut raser puis tailler. Donc inshallah, sahih, elle doit être ni taillée, ni peu, ni beaucoup. La moustache. En prenant tous les hadiths, il y a des petites différences entre les paroles. Qassou, ça veut dire diminuer. Mais jazzou, en arabe, ça veut dire enlever jusqu'à voir le blanc de ta peau à travers. Donc les ulama ont divergé. El Maliki, par exemple, ils disent que c'est pas permis de la raser complètement. On la taille, et par contre, là, on doit voir le blanc en dessous. Ahnaf, eux, ils disent, la sunna, c'est de l'enlever complètement. Et l'imam Ahmed, il dit, la sunna, c'est ou l'un ou l'autre, car les textes dans le hadith parlent de l'un ou de l'autre. Il a été rapporté aussi que Omar ibn al-Khattab, quand il était fâché, jouait avec ses moustaches. Donc certains sont basés sur ça, ils ont dit, s'il jouait avec sa moustache, c'est que c'est là qu'il taillait. Mais les autres qui disent que tu peux tout enlever, ont dit, là, ça était peut-être parce que ça fait une semaine, deux semaines, trois semaines qu'il n'avait pas taillé, c'est pour ça, tout simplement. Donc, Inch'Allah, sahih, c'est de la tailler jusqu'à qu'on voit le blanc de ta peau à travers. Car il y a le hadith qui dit, Jazzu Shawarib, et celui qui la taille en haut et qui laisse le blanc en bas, c'est un avis aussi parmi les savants. Dans cette question, la porte elle est large, que tu fasses l'un ou l'autre, Inch'Allah, il y a du khir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما